Beaucoup de pertes de balles. Aaron à Pilingoy. Attention à Pierre-Emerick qui est parti. Elle une flèche, Pierre-Emerick. Ah, c'est le premier. Ouais, là, c'est le premier. Malik Evouna. Malik Evouna. Très, très belle contre-attaque. Très, très belle contre-attaque de Pierre-Emerick. Et c'est ça qu'on veut, qu'on attend de lui, de mettre en valeur sa pointe de vitesse. Ouais, sur une relance, une perte de balle. Mozambicaine devant les buts. Devant les buts d'Ovono. Une belle relance. Et Pierre-Emerick a mis le turbo, on le voit ici. Une très belle passe pour Malik, qui a eu la lucidité de savoir qu'il ne peut pas scorer du premier coup. Il a contrôlé pour éliminer le gardien. Allez, un petit crochet. Ouais. Et il a ensuite propulsé le ballon hors de portée de Suarez. Intelligemment joué. Peuple gabonais, vous pouvez applaudir. Ouais, je pense que là, ça... Zinedine Junior. Il part. Ouh. Ouais, contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Le sortilège. Ouais, vous voyez ce que je disais, Ovono anticipe trop sur les frappes. Il part, il montre au joueur, il lui donne des indications. Vous voyez, il part trop vite, à mon avis. Et c'est Poco qui s'amène. André Biogo Poco. Ah, j'espère seulement qu'il ne va pas vouloir frapper en force. À qui. Avec sa petite barbichette, tel un pinceau qui il va nous peindre le scénario de la victoire. Voilà. André Biogo Poco qui prend ce ballon. Ah, ce serait bien que le Bordelais rétablisse l'équilibre avec ce Victor. Et bon. Voilà, contre-pied parfait. Ouais. Bien Suarez fait. Victor. Frappé avec beaucoup de lucidité. Là où Poco a gagné le plus depuis qu'il est à Bordeaux, c'est en lucidité. Et voilà. Même si techniquement il n'a pas beaucoup progressé, au moins au plan de la lucidité, au plan du calme. Nonobstant. Je pense qu'il en a gagné beaucoup. Nonobstant les gesticulations de Suarez Victor. Un mouvement qui tend à perturber le tireur. Oui, c'est important Poco aussi. Poco n'est pas tombé dans le piège. Il prouve qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Ovono. Ah, il est allé faire sa prière. En communion avec ses ancêtres, il demande le soutien de ses ancêtres. Devant lui. Musica, João. Ah, allez, Ovono. Bien fait. Il a pris rendez-vous avec l'histoire. Ah oui, là c'est bien parti. Un petit soulagement de Costa. Ah oui. Ah regardez oui. Ovono. Oui. Ah, parce que ouais, c'est très mal tiré aussi, il faut l'avouer. Très mal tiré aussi, il faut l'avouer. Le ballon n'avait pas de puissance. Il a fait un placé. Et on voit le camp gabonais. Oui, Malik Evouna. Pousser ce ouf de soulagement. Mais c'est pas terminé. Non, pas encore, pas encore. Mais c'est un pas vers la qualification que nous souhaitons tant. C'est Malik Evouna qui va frapper. Malik Evouna. Que va-t-il faire? Ouh! Malik Evouna. Raté. Qui prend ce ballon, qui perd sans aucune conviction, sans aucune conviction. Ouh là là, avec une facilité déconcertante. Sans aucune conviction, il faut Suarez le dire. Victor capte ce ballon. Et il les remet en confiance sur le penalty qui suit. Il remet son équipe en selle. Et Didier Ovono, contraint à un autre exploit. Mais le pourra-t-il? Et là, c'est notre ami Clésio Boquet. Le pourra-t-il encore? Je pense. Il faut croiser les doigts pour qu'il réussisse à nous en mettre encore un ou deux d'or.
Didier. Encore. Attention. Et voilà. Ah, magnifique, Didier. Magnifique. Il prend sa revanche avec l'histoire. Magnifique. Didier Obono. Et vous voyez là où il a grandi, Didier avant. Quand il a arrêté une occasion, il se tapait la poitrine. Ouais. Là maintenant, il demande aux gens de se calmer, que c'est pas encore fini. Là, il a vraiment gagné beaucoup en expérience. Ah, Costa qui se mord les doigts. Attention, Tanguegora. Je présume qu'il est en train de se dire, oh mon Dieu, si Malik avait marqué. Ah oui, on aurait eu deux longueurs d'avance. Ah oui, Costa doit bien se le dire dans sa tête. Et ça fait partie du football. Abdoulaye Tanguegora. Vieux roublard aussi. Mais attention. Une grosse pression. Il a pris quand même l'élan d'un bon frappeur. Une grosse pression sur les épaules de Tanguegora qui marque. Ah. Abdoulaye Tanguegora. Et c'est l'ami de. C'est le beau-frère de Ovono. C'est le beau-frère, voilà. C'est son beau-frère. Voilà. C'est tant mieux. Ah, on le voit, Abdoulaye bien placé, avec force. Quand on décide de mettre un placé, il faudra mettre beaucoup de force. Attention, vivement que celui-là nous mette le ballon sur Ovono encore. Suarez Victor. Voilà. Là, c'est le capitaine. C'est le capitaine Elias Pelembe. Pelembe. Ah, vivement qu'il nous mette le ballon sur Ovono. Quelque peu éprouvé, ça se sent. En tout cas, avec sa trajectoire, on a l'impression qu'il peut mettre le ballon côté gauche. Pelembe. Eh oui, Ouais. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Pelembe. Qui est-ce qui sait sourire? Ah, Johan Obiang. Comme pour rire. Ah, Johan Obiang. Fin technicien. Ah, le public gabonais retient son souffle. Attention, un penalty, c'est aussi un geste moral. Véritable moment de suspense. Le public gabonais retient son souffle. Le peuple gabonais retient son souffle. C'est Johan Obiang. Le jeune Johan. On est à 2-2. Ah, mais quelle pression sur ses épaules. Sur ses épaules, frère. Les Mozambicains ont frappé en premier. Johan Obiang sur ses épaules, frêles, une forte pression. Ah non, il a l'élan d'un tireur, d'un bon tireur. Et voilà le contre-pied parfait. Le jeune Johan. Ah oui, tu sens l'élan d'un bon tireur, c'est 3 mètres, 4 mètres. Moi, je m'inquiète quand un joueur sort de la surface de réparation. Il a bien appris ses fondamentaux, parce Johan. Quand tu sors de la surface, tu vas cogiter. Ouais, on est là à 3-2 pour le Gabon. Donc j'avais raison, mon ami, on était à 2-2. Là, on est à 3-2 pour le Gabon maintenant. Le Gabon a tiré 3 fois, 4 fois, marqué 3 fois et raté une fois. Et c'est votre ami Alunso. Ah oui, mon ami Amiro Obo. Le sosie de Boomsong. Obo, ah. Prions qu'il nous la mette en haut. Ah, regardez. Qu'il nous la mette en force, en l'air. Il prend. Oui, ah oui, c'est bien tiré. En force, mais. C'est bien tiré en force. C'est bien tiré. C'est Pierre-Emerick. Ah oui, non, il peut, il n'y a pas de danger. Écoutez, il faut qu'il se délivre aussi de ses vieux démons. Le capitaine, le capitaine du bateau. Ah, il va la mettre cette fois-ci, il va la mettre. Oh, mais quelle pression! Sur les épaules de Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, c'est le marque, on est qualifié, il va la mettre. Pierre-Emerick qui prend. Il va la mettre. Sa responsabilité. Pierre-Emerick qui marque et voilà, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça y est. Aïe, on a vaincu les vieux démons.
ouf. Ouais, un ouf de soulagement. On respire, enfin.